Claire Kem, son bel hommage à Val André 4 mois après sa disparition. À partir du 8 décembre prochain, TF1 diffusera Enquête à cœur ouvert, une mini-série franco-belge en 6 épisodes. Claire Kem y interprétera Florence, une femme en attente d'une greffe de cœur qui ne s'autorise plus vraiment à vivre. Jusqu'à ce que l'appel tant attendu arrive. Elle va alors tout faire pour en savoir plus sur sa donneuse. Anna, décédée dans un accident de voiture. Quand j'ai lu le scénario, je me suis pris cette histoire de plein fouet et j'ai ressenti un besoin irrépressible d'interpréter Florence. Sa quête pour découvrir qui est sa donneuse m'a vraiment attirée. J'ai beaucoup aimé jouer cette femme au combat très lourd. A expliqué la compagne de Big Sant Lisa Razu et mère de Uena à Télé Loisirs. Et l'héroïne de Vise le cœur ajoute, c'est une histoire émouvante avec des personnages pleins de dignité et d'amour. Le sujet de la transplantation cardiaque fait forcément penser à Charlotte Val André. La comédienne, elle-même greffée, a disparu en juillet dernier à 53 ans, alors que son deuxième cœur était arrivé en bout de course. Comme elle l'avait indiqué sur Instagram quelques jours plus tôt. Interrogée par Télé 7 jours ce 28 novembre. Claire Kem a donc eu une pensée pour l'ex-comédienne de Demain nous appartient sur TF1. Nous n'avons jamais tourné ensemble, mais nous étions amis, a-t-elle assuré avant de se souvenir de leurs échanges, à chaque fois que l'on se croisait. On avait des conversations très saines, très pures. Elle avait un tel amour de la vie. On s'était reconnus. On appelle ça les affinités sélectives. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression qu'elle est partie. Un bel hommage à celle qui se sera battue jusqu'au bout malgré la maladie. Claire Kem espère par ailleurs que cette mini-série favorisera le don d'organes en permettant de se rendre compte à quel point cela peut sauver des vies.